Bien-aimés, le dimanche est le jour du Seigneur. Écoutez la parole, communiez à son corps et à son sang, intercédez pour le monde et à apprendre la fraternité selon l'Évangile. Voilà ce qui fonde notre communauté. Vivre en Église, c'est vivre rassemblé et dimanche après dimanche, consentir à être recréé par l'amour infini de Dieu. Mon Père,
Excellence, Monseigneur, bienvenue Manamika Bafokwaou. Archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Brazzaville. Monsieur l'abbé Vincent de Paul Malonga, aumônier diocésain du Mouvement pour la vie. Révérende sœur Anna Kosso, responsable du Mouvement pour la vie. Monsieur l'abbé Roland Zébélé, curé de la paroisse Notre-Dame du Rosaire. Révérend Père, révérende sœur, chers frères et sœurs dans le Christ, grande est notre joie de vous recevoir chez nous, chez vous. Au nom du curé de la paroisse, de toute l'équipe presbytérale, des deux conseils et de toute la communauté paroissiale, je vous souhaite une cordiale et fraternelle bienvenue. Puisse le Seigneur disposer nos cœurs à l'écoute de sa parole. Jésus nous accueille autour de sa table pour nous nourrir, n'est-ce pas, par sa parole et par son pain, le pain de vie. Au cours de cette Eucharistie, nous allons prier pour le mouvement pour la vie. Nous avons quelques requêtes, quelques consacrés religieuses et nos papas et nos mamans qui font partie de ce mouvement, mouvement pour la vie. Nous allons prier pour que tous nous prenions conscience de l'importance de la défense de la vie. Mais au début de cette Eucharistie, commençons par vous rendre compte que nous prenons tous la vie, mais nous ne collaborons pas pour que la vie ne soit puisse être protégée, être vécue telle que Dieu le veut, dans notre propre vie et autour de nous. Pour cela, chaque fois que nous avons été à l'encontre de la vie, chaque fois que nous n'avons pas favorisé la vie, chaque fois que nous avons résisté à la vie, cette vie est déjà Jésus-Christ, Dieu de mon repas. Je confesse à Dieu. Et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur.
Dont Moïse fut le premier. Préfigurant la venue de Jésus, écoutons cette lecture du livre du Deutéronome au chapitre 18, du verset 15 à 20. Moïse disait au peuple, au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez: je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu. Je ne veux plus voir cette grande flamme. Je ne veux pas mourir. Et le Seigneur me dit alors: ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un m'écoute par les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur.
Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 7, du verset 32 à 35. Prêtant l'oreille. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Alors les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile pour y avoir part moi aussi. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais, qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Silence! Sors de cet homme !»
L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Saisi de frayeur, tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. C'est ce que nous avons suivi, n'est-ce pas, dans la première lecture. La première lecture tirée, n'est-ce pas, du livre de Deutéronome. Deutéronome. Livre de quoi? Deutéronome. Chapitre 18, versets 15 à 20. Chapitre combien? 18, versets 15 à 20. Si vous avez le temps, il faut lire. Quand on a suivi à l'église, là, il faut aller reprendre. Deutéronome 18, 15 à 20. Alors, j'ai retenu ceci. Donc le premier point, c'est le respect de la parole de Dieu. Le respect de la parole de Dieu. On y va. Le respect de la parole de Dieu. Voyez, Dieu dit à Moïse de dire au peuple d'Israël, je vais susciter parmi vous un prophète. Je vais faire lever un prophète. Je vais vous envoyer un prophète. Je vais vous envoyer qui? Quel est le rôle du prophète? C'est d'annoncer la parole. Mais pas n'importe quelle parole, ce n'est pas sa parole. Il annonce la parole de Dieu. Il annonce sa parole. La parole de Dieu. Alors Dieu dit, je vais susciter, je vais faire lever parmi vous un prophète. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu dit ceci. Il va dire ce que je vais lui dire. Lui, le prophète, en d'autres termes, il n'est pas là à inventer autre chose. Ce qu'il va dire, c'est ce que moi je lui ai dit. Vous avez compris? Ce qu'il va dire va sortir de lui-même. Ça vient de qui? Et Dieu ajoute, s'il a la présomption, terme de droit là, s'il ose dire autre chose que ce que moi je lui ai dit, je vais le maudire. Ils vont en mourir. Les jeunes, je ne sais pas si vous me suivez. Moi, Dieu, je lui dis d'aller dire. Et ce qu'il va dire, si je dis un, il prononce un. Si je dis deux, il prononce deux. Si je dis trois, il lui dit dix, il va mourir. C'est une image. Il ne doit pas déformer ce que Dieu lui a dit de dire.
Il doit dire seulement ce que Dieu lui a dit de dire. Il ne doit rien ajouter. Il ne doit rien ôter. La paix de Christ. Amen. Bon, j'insiste là-dessus. Ah. Vous savez pourquoi j'insiste dessus? Il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui. Il y a beaucoup de... Bon, annoncer la parole, c'est normal. Saint Paul nous l'a dit dans la deuxième lecture, mais avant d'y arriver, le problème, c'est quoi? C'est de dire ce que Dieu a dit. Il y a beaucoup d'inventions. Je vois tous ces groupes-là qui font les neuf grottes. Souvent, sont accompagnés. Vous comprenez ça? C'est pas mauvais. Mais à la fin, souvent, on fait un petit point. Et il y a un petit prophète, parfois, pas toujours à l'intérieur, qui dit, pendant qu'on marchait, j'ai vu ceci. Il y a celle-là qui doit faire son bac, j'ai vu son dossier là, que... Enfin, celle-là, elle est déjà admise. Donc, j'ai vu la main de l'ange qui est en train d'écrire son nom. Vous comprenez ça? Et la fille là qui entend ça, elle est tellement heureuse. Bon, entendons-nous. Si moi je te dis que moi j'ai vu que tu as réussi déjà à ton bac, avant même d'avoir travaillé ainsi de suite, mais tu as déjà réussi, tu seras heureux, oui ou non? Tu seras heureux, c'est ça, non? Dieu dit ceci. Si c'est lui qui a dit ça, et si c'est lui qui te l'a montré, tu peux montrer, tu peux en parler. Mais si c'est ton invention à toi, tu es en train de tromper quelqu'un, même si après, par son travail, la personne réussit et pense que c'est à cause de cette prophétie, toi, tu seras toujours maudit parce que tu as menti. La peur du Christ. Et si la personne ne réussit pas, qu'est-ce qu'elle va dire? C'est Dieu qui ment. Ah, papa, moi, j'avais vu. Tu as vu quoi? J'ai parlé de tous ceux qui accompagnent les neuf grottes. Il n'y a pas que ceux-là. Autour des grottes, il y a toujours des prophètes. Toujours. Surtout pendant les examens. Et vous, les jeunes filles, les jeunes garçons, là, c'est ce que vous aimez. Ceux qui cherchent le visa pour voyager, là. Les escrocs psychologiques le savent. Ils savent que toi, tu es dans un besoin. Ils savent que tu as besoin de voyager. Ils savent que tu te bats pour le campus France. Ils savent que toi, là, tu as quelqu'un qui est malade. Ils savent que tu as un problème. Et puis, ton problème, c'est quoi? Ah non, voilà ce que je cherche. Je dis, pendant que tu priais là, Dieu m'a montré. Voilà ce qu'il m'a montré. Il va t'entraîner dans des histoires. Dans des histoires. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient te faire une prophétie là autour de la grotte ou après la messe que toi, tu vas y croire. Alors, la paix du Christ. Mais vous n'avez jamais vu, vous êtes en deuil, il y a quelqu'un qui vient entrer même dans votre matanga là, dans votre deuil. Vous comprenez ça? Et il pleure avec vous. Vous ne le connaissez pas. Maman, tout le monde est content. Bon, pas content, mais tout le monde est touché parce que cette personne pleure certainement qu'elle connaît maman. Et puis après, vous apprenez que des choses ont disparu dans la maison. Elle pleurait pour vous distraire. Entre-temps, elle a volé à la maison, elle a disparu. Vous n'avez jamais vu ça? Mais c'est très courant. La personne est venue prendre votre couleur et vous a distrait. C'est la même chose. Il y a beaucoup de fausses prophéties aujourd'hui. Et vous êtes là à vous accrocher à ça. Mais celui, donc, il y a double avertissement. Toi qui y crois bêtement et qui pense que tu peux manger ton pain sans la sueur de ton front, tu te trompes. Dieu ne va pas aller contre sa propre parole. Et puis toi, le petit menteur, là, même dans tous nos mouvements de prière, là, même chez les charismatiques, il y a des gens, n'est-ce pas, pour montrer leur... faire croire qu'ils sont puissants, faire croire qu'ils sont comme des devins, toujours en train de dire des prophéties. Il y a ceux qui vous écrivent là à une vitesse vertigineuse. Il n'y a que eux qui savent lire ça. Et après, il met la main là. Dieu a dit ceci, il a dit cela. Mais pour ça, à la fin, on dit, si tu donnes 20 000 francs, je continue la prophétie. Vous comprenez ça? Parfois, on te dit, c'est gratuit. C'est gratuit.
Parfois, on te dit, c'est gratuit. L'appel du Christ. Amen. Bon, laissez le drapeau, il ne donne pas la vie. Vous comprenez ça? Écoutez la parole. Après, les scouts viendront relever. Mais pas pendant que je parle. Parce que vous avez l'art de défiler pendant que les gens écoutent la parole. Attention. Dieu dit ceci. Il ne dira que ce que je vais lui dire. Mais qu'il n'ajoute pas quelque chose à ce que je lui ai dit. Qu'il n'invente rien. S'il ose le faire, il sera maudit, il en mourra. Vous les faux prophètes qui habitez les groupes de prière, il y en a dans tous les groupes de prière. Dans les marches là, autour des grottes, et aussi dans l'église maintenant. Mais on a vécu ça au grand séminaire. Pendant que nous prions, il y a quelqu'un qui est là aussi, il est assis. Et lorsque nous sortons, lui aussi est là. On pense qu'il est venu prier à la porte là-bas. Il dit bon. Et il sort un petit sac. Maman, Ozo Kenwap. Ah, je viens ici. Je suis prêtre. On vient de prier là. Quel est ton problème? Je peux m'occuper de toi. C'est juste quelqu'un qui est venu pour distraire les gens, faire croire qu'il est avec les autres, avec les prêtres. Et quand il sort, c'est l'escroquerie totale. Beaucoup de jeunes se font prendre. Réveillez-vous, les jeunes. Réveillez-vous. Quoi, vous avez passé votre vie à courir derrière les prophéties? Surtout les femmes, là. Si on n'a pas fait une divination sur toi, si on n'a pas deviné ceci, si on n'a pas dit, écoute, Moutala Lundala Mandala Mouini, si on n'a pas dit ça, ah, on a vu la mort autour de moi, on a fait ceci. Mais tous, quand on court derrière les prophéties, c'est un manque de foi. Tu n'as pas foi en Dieu. Tu es un païen. Tu es une païenne. Parce que ton problème, c'est suivre seulement les prophéties. Mais tu n'aimes pas Dieu. Tu ne connais pas ton Dieu. Mais parle à Jésus-Christ directement. Qu'est-ce que tu cherches? La paix du Christ. Amen. Je vais clôturer cette partie. Je vais clore. Je dis ceci. Il y a beaucoup de faux prophètes. Méfiez-vous de tous ces visionnaires qui s'approchent de vous et qui vous racontent votre vie. Attention, il y a beaucoup de loups dans la bergerie. Même parmi nous, dans les groupes charismatiques, il y en a. Soyez prudents. Je n'ai pas dit que toutes les prophéties sont mauvaises, je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit ceci, il y a beaucoup de faux prophètes. Alors, il faut savoir discerner. Alors, toi, la paix du Christ. Amen. J'étais dans un groupe, comme vous d'ailleurs. On priait quelque part. Jeune prêtre. Et puis, pendant qu'on priait, il y a quelqu'un qui entre en transe. Après, je lui ai posé la question, tu voyais quoi là? Alors, il a commencé à parler. Ce jeune-là, voilà. Il a raconté de bonnes choses sur la personne parce que le jeune était malade. Moi, Dieu, j'ai posé la main sur toi. Tu vas guérir. Et je donne seulement une semaine. La paix du Christ. À la fin, moi, je lui ai demandé. Je ne suis pas jaloux de toi parce que je suis prêtre. Chacun a son don. Vous comprenez ça? Mais est-ce que tu as vraiment vu? Il dit, oh, Moumé Sentiria. Avant, il disait qu'il avait vu. Maintenant, il a seulement senti. Je lui dis, est-ce que tu as vraiment senti Dieu t'a parlé? Après, il me dit, Père, cette personne est malade. Elle est découragée. Il faut lui sortir une bonne parole pour l'encourager. Sinon, la personne va se décourager. Je lui dis, mais tu viens de mentir. Est-ce que Dieu t'a dit ça? Oh non, mais il fallait dire ça pour l'encourager. La paix du Christ. Amen. J'ai seulement dit faux prophète. Malheureusement, hein, je dis bien malheureusement, 2 semaines après, la personne est morte. Le jeune là fuit le groupe. Ah oui, on l'a accusé après. C'est pas parce que tu vas dire une bonne parole que cette parole-là va sauver. Il faut respecter ce que Dieu dit. Je n'ai fait qu'insister là-dessus. Deuxième point. Le premier point, c'était quoi? Le respect de la parole de Dieu. On y va. Le respect de la parole de Dieu. Le deuxième point. La parole de Dieu donne la vie. On y va. La parole de Dieu donne. Mon frère, ma soeur, que tu le veuilles ou non, Jésus l'a dit. Et il est la parole. Au commencement,
Bon, les piles là sont fatiguées, je pense. Et vous, vous pouvez me changer les piles. La paix du Christ. La paix du Christ. Le deuxième point, c'est quoi? J'ai oublié. Ah, vous avez oublié aussi. C'est ça. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu donne la vie. On y va. La parole de Dieu donne la vie. Qu'on le veuille ou non, Jésus l'a dit en Jean 10, 10. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Il est cette parole. Cela veut dire quoi? Le prophète qui vient te dire, Jonas qui traverse Ninive, encore 40 jours et Ninive sera détruite. L'appel du Christ. C'est une bonne parole à entendre. Est-ce que c'est une bonne parole à entendre? Non, c'est très choquant. Encore 40 jours et puis Ninive sera détruite. C'est terminé. C'est choquant, mais c'est une parole qui va donner la vie. Parce que si l'homme se convertit, Ninive ne sera pas détruite. La parole est dure, mais c'est pour notre bien. Alors ne cherche pas seulement les paroles mielleuses. Lorsque papa te dit, écoute, je n'aime pas ce comportement, ça te blesse. Mais si tu suis ce qu'il te dit, tu auras la vie. La parole de Dieu donne toujours la vie. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Nous l'avons entendu, n'est-ce pas, dans l'Évangile. Eh bien, lorsqu'il prêche, les démons sortent, les esprits mauvais fuient, ils le reconnaissent comme fils de Dieu. Voilà, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les estropiés se lèvent. Et puis Lazare, qui est pourri depuis 4 jours, « Lazare, lève-toi !» Ce qui est pourri retrouve la vie. Parce que Dieu est la vie, la parole de Dieu, sa parole est vie. Et quel que soit le choc de cette parole, si elle sort de Dieu, c'est pour que tu aies la vie. La paix du Christ. Amen. David. Nathan lui dit, David, tu as péché. Parce que tu as détourné la femme, n'est-ce pas, d'Urias le Hittite. C'était très choquant. Dieu a donné des sentences pour que David change de vie. Il ne voulait pas la mort de David. Il le sanctionnait pour qu'il change de vie. Et le prophète Nathan va lui dire, quand David va pleurer, le prophète va lui dire, Dieu a déjà pardonné. Mais il y a ce qu'on appelle la sanction médicinale pour aider, n'est-ce pas, David à progresser, à aller de l'avant. Alors, la parole de Dieu, parfois, je le répète encore, peut nous choquer. Mais sachez que, qu'on le veuille ou non, c'est de nous relever. Lorsque Jean-Baptiste est en prison, il crie. Il est dans sa prison là. Il crie à Hérode. Il crie. Regarde ce que tu as fait. Engeance de vipère. Voilà. Il était en train de condamner la femme d'Hérode et Hérode lui-même. Mais Hérode était embarrassé parce qu'il savait que Jean-Baptiste disait la vérité pour qu'il soit sauvé. La paix du Christ. Amen. Si tu as écouté la parole de Dieu pour que tu changes de vie, quel que soit le choc de cette parole, médite cette parole. Elle te donnera la vie parce que Dieu est par essence la vie. Troisième point. C'est saint Paul qui nous l'a dit dans la deuxième lecture. Ma mission, c'est de témoigner de la parole, c'est d'annoncer la parole. Toi, tu écoutes la parole et tu sais que cette parole-là est vie. Il faut aussi que tu en témoignes. Et comment tu vas faire pour en témoigner? Parler de Jésus, mais ça ne suffit pas. Parler de lui dans la vérité de la parole. Avoir ce courage et ne pas avoir peur. L'annoncer autour de toi par des faits et des gestes. Par l'amour, par le respect des autres.
par la solidarité dans le bien, par le refus du mal. La paix du Christ. Bon, j'ai des jeunes ici. Qui connaît la chicha? Ah, vous riez. Vous connaissez ou pas? Qui connaît la chicha? Qui lève la main? Allez, soyez forts, allez-y, allez-y, personne ne va vous commander. Vous voyez, tous les grands là sont des menteurs, ce sont des petits là-bas qui lèvent la main. Les petits là-bas. Allez, un petit, vite, vite, vite. J'attends quelqu'un ici pour me dire, la chicha c'est quoi? Viens, viens, viens. Mais vous avez levé la main, non? Ah, vous avez peur. Dans Jean chapitre 8, verset 32, Jésus dit ceci. La vérité rend libre. Vous comprenez? Quand tu dis la vérité, c'est le processus de la liberté. Alors, qui viendra me dire ce que c'est que la chicha? Rapidement, parmi les jeunes là. Je parle des jeunes. Mais, ouais, viens, viens, viens. Fais vite. La chicha, c'est quoi? La chicha, c'est comme une sorte de drogue. Parle là-haut, mais ne me regarde pas, parle là-bas. La chicha, c'est une sorte de drogue. C'est une sorte de drogue. Non, c'est une drogue. C'est une drogue. Voilà. Et comment tu connais ça? En fait, c'est à travers des films, des amis qui m'ont parlé de ça. Est-ce que tu as déjà goûté? Non, jamais. Pourquoi? Parce que c'est en fait quelque chose qui va t'entraîner dans le péché et que Dieu n'aime pas. Très bien. Et parmi tes amis, quand ils t'ont parlé de ça, ils t'ont pas invité à goûter? Non. 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 Personne n'a goûté parmi vous? Personne. Très bien. J'espère que tu dis la vérité. Je dis la vérité. Ah, faut pas mentir. Aujourd'hui, c'est la vérité. Et n'aie pas peur non plus, tu as compris? Oui. Allez, dis si tu dis la vérité ou bien si tu as menti. Je dis la vérité. Très bien. Bravo pour lui. Va t'asseoir. La paix du Christ. Amen. Chicha, c'est le hashish. C'est la drogue. Vous voyez ces jeunes-là, quand j'en ai parlé, les petits là-bas ont levé la main. Celui-là, s'il a résisté, s'il refuse, eh bien, il témoigne de la vie. Et chaque fois que tu vas essayer de goûter même seul, tu vas collaborer à la mort. Tu comprends ça? Parce que Dieu dit, je suis venu pour donner la vie et non pour donner la mort. Le mouvement pour la vie que vous voyez ici, ce mouvement existe depuis 20 ans. Ce mouvement prie. Ce mouvement fait des sensibilisations pour qu'on puisse respecter la vie à travers les jeunes filles mères qu'il faut aider, qui se sont laissées tromper. Ou bien qu'on a trompé, à travers des enfants qui sont abandonnés, qu'on essaie d'aider, n'est-ce pas, à grandir dignement. Alors, ce mouvement-là fait des efforts pour protéger la vie. Mais en général, celui qui a déjà fumé la chicha là, il a déjà gaspillé quelque chose en lui. Quand j'y vais, j'irai le soigner. Mais c'est déjà trop tard. Toi, tu n'as pas touché à ça. Tu as suivi le film, mais tu n'as pas touché. C'est ça qu'il faut combattre, c'est-à-dire combattre le mal à la racine. Et dire aux autres, attention. Mais on t'a invité à voir. Tu peux ne pas suivre le film aussi. Parce que les films conditionnent. Et quand ça conditionne, un jour, à force de suivre, tu vas dire, je vais quand même toucher. Et en touchant, tu vas gaspiller quelque chose en toi. Et après, tu inviteras les autres. Ceux qui vendent la drogue ou ceux qui en prennent tout le temps, parfois sont conscients que leur vie n'a plus de sens. Mais ils sont dans l'addiction. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Autrement dit, ils collaborent au mal, avec le mal. Mais vous les jeunes à qui je m'adresse maintenant, faites attention. Jésus est le bien. Jésus est la vie. Et saint Paul dit qu'il doit proclamer la parole. Proclamer la parole, ça ne veut pas seulement dire « Jésus, Jésus, Jésus ».
Proclamer la parole, c'est aussi dire non au mal, non à la chicha, non à ces films bizarres que vous suivez comme les Karachikas, qui ont appris aux gens à mettre des poisons à gauche et à droite et à tuer, à ne plus respecter la vie. Non aux films qui dénudent les femmes, que vous appelez la pornographie, qui entraîne maintenant les hommes, hommes, femmes, femmes, même avec les animaux. Il faut dire non, c'est pas sain. Parce que chaque fois que je me mets seulement à regarder, c'est seulement une curiosité. Tu participes, tu fais le plaisir du diable. Tu participes au mal. Attention. Et puis, il y a des jeunes qui vous diront, mais tu es bête, tu n'es pas un vrai jeune. Un vrai jeune doit le faire. Ce n'est pas vrai. Le vrai jeune, c'est celui qui sait dire non et qui a la maîtrise de soi. En conclusion, respecte la parole de Dieu. Sache que cette parole est la vie. Et sois le témoin, le canal de cette vie. Jésus a besoin de ta bouche. Jésus a besoin de toi, jeune. Jésus a besoin de nous pour pouvoir exprimer cette vie, pour pouvoir dire aux autres qu'il est vivant et qu'il est la vie. Comment tu t'appelles ? Chris. En plus, c'est Chris. Très bien. Chris, écoute-moi bien. Toi là, si tu as vu et que tu as résisté, Jésus veut utiliser ta bouche pour dire aux autres, ça c'est mauvais. Jésus a besoin de tes yeux pour savoir regarder et discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Jésus a besoin de ton bon comportement pour communiquer la vie. Jésus a besoin de toi pour dire aux autres, ne sommes pas là à mettre des gosses à gauche et à droite. Et les petites mamans, là, les jeunes filles sont en train de souffrir pour aller chercher de l'aide avec leur grossesse. Ce n'est pas notre rôle. Jésus a besoin de ton témoignage. Et si je m'adresse à Chris, je m'adresse à tous les jeunes qui sont ici. Comme pour dire, attention, respecte la parole, pas de mensonge. Croire que cette parole nous donne la vie. Et enfin, témoigner de cette parole. La paix du Christ. Amen. Puisse Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aujourd'hui, à cette heure, dans cette église, Notre-Dame du Rosaire, puisse Jésus bénir tous les jeunes pour en faire des témoins de la vie et non des témoins de la mort. Pour en faire des distributeurs de la vie, des protecteurs de la vie, des défenseurs de la vie, des porteurs de vie et jamais des porteurs de la mort. Soyez bénis les jeunes avec les adultes. Amen. Veuillez vous lever. Je crois en Dieu, le Père puissant. Et la puissance du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié. Et descendu aux enfers, le troisième jour,
l'occasion pour tous les hommes, afin que tous nous puissions recevoir la vie, la vraie vie du jeune corps, priant le Seigneur. Pour les hommes et les femmes tourmentés par la haine, la colère de toutes les formes de mal, pour celles et ceux qui souffrent de la maladie et de l'isolement, Seigneur, nous t'en prions. Frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité. Pour les accompagnateurs spirituels et pour les prêtres qui donnent le sacrement de pénitence et de réconciliation, Seigneur, nous te supplions. Abondance, nous dit Jésus. Prions pour le mouvement pour la vie qui travaille dans notre archidiocèse, pour la promouvoir et la respecter, afin que la grâce de l'Esprit Saint accompagne ses activités, ses membres et nous avec. Prions le Seigneur. Proclamer avec autorité pour les enseignants et pour tous ceux et celles qui sont responsables de la formation des jeunes. Seigneur, nous t'en supplions. Yeah.
sa renommée se répandit dans toute la région pour notre communauté rassemblée pour prier aujourd'hui. Seigneur, nous te supplions. À présent, offrons à Dieu le fruit de nos mains, la quête.
De notre rédemption par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort et nous donner la vie. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. De toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le remplit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve,
nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Oh,
Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel, cette nourriture pour la vie, nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. L'appel du Christ. Amen. Je vais demander aux membres du mouvement de la vie de rester debout. Les autres, s'il vous plaît, veuillez vous asseoir. Alors, je ne vais pas vous faire monter ici. Est-ce qu'on vous voit là-bas? Mouvement pour la vie. Voilà, retournez-vous qu'on puisse vous voir là-bas. Maman, à votre côté, Gouna. Bon, les jeunes ne sont pas nombreux ou nombreuses là-dedans. Hein? Donc vous allez réfléchir pour voir si vous pouvez aussi les rejoindre afin de combattre pour la vie. Vous avez compris, non? Bon, veuillez vous asseoir. Sœur Anna, pardon, Téléma encore. Bakutalangé. Où est Sœur Anna là? Vous la connaissez, non? Elle est à l'origine de ce mouvement. Depuis 20 ans qu'elle se bat là-dedans avec. Et avec toutes les sœurs et tous les prêtres aussi qui sont là debout, c'est un combat pour la vie. Alors, essayez d'avoir un peu de curiosité pour savoir ce qu'ils font, ce qu'elles font exactement. C'est très important. Nous en avons parlé, mais ça ne suffit pas. Un peu de curiosité. Donc, à la fin, là, rapprochez-vous de ce groupe devant la porte là-bas et posez-leur deux, trois petites questions. Vous, là, vous servez à quoi? Et qu'elles vous parlent. Vous avez compris, non? Pas seulement Sœur Anna. Vous soulevez n'importe qui. La paix de Christ. Amen. Merci. Bon, maintenant, je veux trois jeunes ou enfants, que quelqu'un vienne me dire ici ce qu'il a retenu. Je n'ai pas dit de réciter ce que j'ai dit. Toi, qu'est-ce que tu as retenu toi-même? Oh, il est touché. Il a tout le temps. Allez, on y va. Trois. Voilà. Première personne. Si on n'a pas trois, je vais recommencer l'homélie alors pendant une heure. Voilà. Jeune fille, va de l'autre côté. Deux. Les garçons sont battus. Ah! Il vient sauver l'honneur des garçons. Très bien. Allez. Dis-nous ce que tu as retenu aujourd'hui. Hein. Je n'ai pas demandé de récitation. Ce que toi, qui t'a frappé, ce qui t'a intéressé, qu'est-ce que tu as retenu? On y va. C'était sur le comportement des jeunes d'aujourd'hui. Parce que la jeunesse aujourd'hui est vraiment détruite. Et nous devons essayer de renouveler la jeunesse en changeant de comportement et en suivant les éternels. Merci. En changeant de comportement. Quand je change, je peux aussi influencer les autres. Vous comprenez? Voilà. Bravo, prêtre. Bienvenue que la parole de Dieu est faite avec vous.
chrétien. Et cette parole qui a été inspirée par Dieu est pour nous comme un livre de vie qui va guider nos vies, qui va guider nos chemins afin que nous puissions toujours garder en tête le salut de Dieu et ce que aussi les affaires. Très bien. La parole de Dieu est vive. Et guide notre vie pour nous permettre aussi de guider les autres. Bravo pour lui. La parole de Dieu donne la vie. Et ici, nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes fortifiés. Soyons pour nos amis les personnes qui vont apporter la bonne nouvelle. Soyons pour les autres une influence de Dieu et non pour le mal. Nous devons observer les autres dans la lumière. Très bien. Moi j'ai retenu ce mot et moi. Tu as dit nous pouvons influencer. Aujourd'hui, chez les politiques, dans la société, les hommes, femmes, vous comprenez ça? Les homosexuels. Il y a ceux qu'on appelle les influenceurs. Ils sont là pour influencer les autres. Et il va voir des garçons là-bas, il attrape un autre garçon, il lui donne de l'argent et puis il l'embrasse. Et toi, comme il le fait devant tout le monde, tu dis c'est possible. Vous comprenez? Il est là pour t'entraîner. Et nous aussi, nous devons avoir des influenceurs. Des influenceurs dans le bien. Et c'est ce que tu as dit. J'influence les autres, non pas en l'effrayant, mais en posant des actes de bien. Et lui, il est influencé. Et il va suivre. Vous avez bien compris, les jeunes. Bravo pour elle. Voilà, nouvelle de toi. Allez, marchez comme de bons influenceurs. La paix du Christ. Amen. En résumé, soyons des porteurs de vie et non des porteurs de mort. Ce que je dis dans ma bouche, est-ce que ça donne la vie? Est-ce que ça fait souffrir? Ou plutôt ça fait sourire? Quand je regarde l'autre, est-ce qu'il sent à travers mon regard la vie? Soyons des porteurs de vie. Soyons quoi? Soyons des porteurs de vie. Soyons quoi? Des porteurs de vie. De toutes les façons, si tu portes Jésus en toi, tu portes la vie. Et comme elle venait de le dire, ne gardons pas pour nous, faisons comme la Vierge Marie, cours vers Élisabeth pour dire, j'ai la vie en moi et je te la porte. Et Jean-Baptiste à l'intérieur, là-bas, ne tient plus, il commence à tressaillir là-bas. Il dit, la vie est arrivée, moi aussi je suis en vie. Et après, je veux le proclamer. Vous comprenez ça? Porteur de vie. Je donne la vie, j'ai été bousculé par la vie, je communique la vie. La paix de Christ. Amen. Veuillez vous lever. La chorale, vous avez bien chanté, merci. J'allais vous donner 19 sur 20, mais je vous donne 14. Vous savez pourquoi? Vous avez loupé lorsque nous ramenions le Christ au tabernacle. Ça, vous avez loupé. Et à cause de ça, je vous enlève 6 points. Et le Christ nous a accueillis. Il nous a donné sa parole, son pain. Lorsqu'il repart au tabernacle, ça doit être en triomphe, en chant de méditation. Regardez l'humilité de Dieu. Mais, mon Dieu, il faut le chanter. Ah, vous avez appris la leçon. Bon, conseil pastoral, le nouveau conseil là. On va bientôt vous installer, c'est ça, non? Vous savez ce que vous allez faire en premier? Votre mandat. Je ne critique pas, je dis simplement que vous devez faire un effort.
Je vais revenir ici, l'église est propre. Vous avez entendu? Vous arrangez pour couvrir les peintures là, vous couvrez pour ne pas qu'il y ait des taches là-dessus. Et vous rendez l'église propre. La Vierge Marie est toujours belle. Vous avez déjà vu la Vierge sale? Elle est toujours belle. Alors Notre-Dame du Rosaire doit toujours être belle. Je ne critique pas le curé. Je suis en train de dire, et au curé et à vous tous, débrouillez-vous pour qu'avant la marche mariale du 11 août, cette église revête sa splendeur de la Vierge. La paix du Christ. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.